Bonjour. Dans nos milieux d'église, on aime bien parler, peut-être pas dans ces termes-là, mais de sacerdoce universel. Ce concept développé par Martin Luther, qui essentiellement dit on est tous importants, tous les baptisés sont importants, on a tous un rôle à jouer dans l'église, on a tous un ministère à jouer. On aime bien ça, cette idée-là, que c'est pas la hiérarchie, mais c'est le peuple qui a de quoi à dire. Même parfois, dans des bulletins paroissiaux, on peut voir, par exemple, le nom de la paroisse, l'adresse, puis ensuite pasteur, puis là, ça va être marqué nous tous. On aime bien cette idée-là. Mais dans la réalité, lorsqu'on s'imagine un pasteur, un prêtre, un ministre du culte, on imagine essentiellement, trop souvent, un homme âgé qui a fait de longues études, qui a beaucoup de livres, puis qui a lu, puis qui a une certaine sagesse. Ça, c'est des vrais pasteurs. Ça, c'est du vrai ministère. C'est comme moi, je peux pas faire ça, là. C'est ça qu'on se dit souvent. Et cette idée-là se retrouve un peu dans le texte du lectionnaire de cette semaine sur Jérémie. C'est vraiment le début du livre de Jérémie, chapitre 1, verset 4, là, le texte pour cette semaine. Et ça commence sur Dieu qui débarque dans la vie de Jérémie, comme ça. Il dit, bon, je te connais, toi, je sais qui tu es, et je t'ai choisi pour être le prophète, mon porte-parole pour les nations. Et Jérémie n'est pas trop impressionné par cette déclaration-là. Il semble bien aimer Dieu, mais il dit non, 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 non. Je ne peux pas faire ça. Moi, je suis trop jeune, je n'ai pas le temps de parler. Non, je ne peux pas faire ça. Et ensuite, Dieu lui répond, oui, je comprends, mais tu vas le faire. Je vais être avec toi. Oui. Et à chaque fois, comme plusieurs prophètes dans le Premier Testament, lorsqu'ils veulent sont pas trop sûrs, ils veulent pas trop accepter l'appel de Dieu. Ils se font dire, oui, Dieu répond, oui, c'est correct, je t'entends, mais tu vas le faire quand même. Un peu comme un parent là, qui essaie de rassurer un enfant qui dit, oui, je comprends que ça ne te tente pas de prendre des cours de natation, mais c'est samedi matin quand même. Et je trouve ça très intéressant aussi parce que ce texte-là nous confronte, nous, naturellement, pour l'écrasante majorité de nous, Dieu se manifeste pas dans notre vie, il nous désigne pas en tant que prophète aux nations, il n'y a rien de spectaculaire. On croit, on va à l'office religieuse, on s'implique dans nos communautés, dans nos paroisses, dans nos villes, nos villages. Et souvent, on nous fait appel. On veut qu'on s'implique un peu plus, on dit non, 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 moi je connais pas ça, je sais pas comment faire. Ou lorsqu'on cherche des gens pour s'impliquer à nos côtés, ben là, des fois on dit, ben là, non, on va pas demander un tel ou une telle, trop jeune, pas assez éduqué, quand même, ils habitent pas dans le bon quartier de la ville. On a tendance à mettre des restrictions. Sur ou des catégories sur différentes sur le peuple de Dieu. Et ce texte-là nous rappelle que on a tous et toutes un rôle à jouer. Ça ne veut pas dire qu'on est tous faits pour proclamer la parole ou jouer de la musique ou on a notre rôle à jouer. Et faut laisser les gens aussi jouer leur rôle. On ne peut pas commencer à dire, ben, les enfants, c'est bien le fun, là, mais c'est pour plus tard, là. Non, les enfants, ils ont une place à jouer dans les églises maintenant. Leur place à jouer. Ils ne sont pas là pour être cute, ils sont là pour faire des choses spécifiques. La même chose pour les adolescents, la même chose pour les jeunes adultes, la même chose pour les personnes âgées. De ne pas créer cette distinction-là, cette catégorisation-là qui nous empêche de faire de grandes choses. De ne pas voir ça et pour nous-mêmes, de ne pas s'imposer ça aussi pour nous-mêmes. De dire, ben là, moi, non, je peux pas, je suis une femme, je suis un homme. Peu importe, c'est de découvrir, l'important, c'est de découvrir le rôle qu'on a à jouer et de le jouer, notre ministère. Et cette semaine, je vous souhaite de trouver
de le trouver, cette place où vous ne l'avez pas trouvé, ou si vous l'avez trouvé, de continuer à vous impliquer. Comme j'ai dit, dans votre communauté, à votre école, au travail, dans une paroisse, n'importe où. Et lorsque je parle de ministère, justement, c'est pas juste prêcher la bonne parole de Dieu, c'est aussi aider les gens, être présent, donner un coup de main sans rien demander en retour. Toutes ces choses-là qu'on fait au nom de nos croyances, notre spiritualité, nos valeurs, ben, ça aussi c'est important, ça aussi ça contribue à créer un monde nouveau. Et si vous ne l'avez pas trouvé, j'espère que vous allez le trouver. Si vous l'avez trouvé, j'espère que vous avez continué. Et j'espère aussi que vous allez encourager les gens autour de vous à trouver leur place. Sur ce, bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.